Salut les apprentis du troisième cycle, ici Louis, ici Chloé. Aujourd'hui, nous allons apprendre le complément direct. Alors sans plus attendre, apprentis, à vos crayons! Le complément direct. Petit rappel avant de commencer. On classe les verbes en deux catégories, les verbes d'action et les verbes d'état. Les verbes d'action sont des verbes qui expriment une action faite ou subie par le sujet. Donc, si le verbe est d'action, les compléments du verbe possibles sont directs ou indirects. Dans cette capsule, nous nous attarderons sur les compléments directs, CD. Pour les besoins de la vidéo, nous allons considérer que l'analyse de phrase est complétée. Qu'est-ce que le complément direct? Le complément direct est un groupe de mots qui complète le verbe dans le groupe verbe, GV ou prédicat. Il est placé devant ou après le verbe selon les phrases. Il complète le verbe par l'intermédiaire des questions qui, quoi, après le verbe conjugué. Il n'est pas obligatoire ni déplaçable. Ce ne sont pas toutes les phrases qui en contiennent. Comment trouve-t-on le complément direct? 1. Une fois que l'analyse est complétée, on pose les questions qui, quoi, après le verbe conjugué. 2. On met une ligne en zigzag en dessous de la réponse. Exemple. Je magasine des pantalons. Magasine est le verbe. Qui, quoi, magasine, des pantalons. Pantalon est le complément de phrase. Complément direct de magasine. Aujourd'hui, nous regardons les policiers. Regardons les verbes. Qui, quoi, les policiers. Les policiers est le complément direct de regardons. Un peu de pratique. Allez chercher une feuille et un crayon et nous allons écrire quelques phrases dans la vidéo et essayer de trouver le complément direct. Julien prend sa tablette pour ses travaux. Pendant cette vidéo, les apprentis découvrent le complément direct. Ariane accompagne les élèves dans l'école. Julien prend sa tablette pour ses travaux. Prend est le verbe. Qui, quoi, sa tablette. Sa tablette est le complément direct de prend. Pendant cette vidéo, les apprentis découvrent le complément direct. Découvre est le verbe. Les apprentis découvrent quoi? Le complément direct. Le complément direct est le complément direct de découvre. Ariane accompagne les élèves dans l'école. Accompagne est le verbe. Qui accompagne les élèves? Les élèves est le complément direct d'accompagne. En résumé, le complément direct est un groupe de mots qui complète le verbe dans le groupe verbe, GV ou prédicat. Il est placé devant ou après le verbe selon les phrases. Il complète le verbe par l'intermédiaire des questions qui, quoi, après le verbe conjugué. La réponse sera le complément direct. C'était tout pour aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine capsule. À vos crayons!